Be safe. The track is clear. Comme congelé sous une épaisse mer de nuages, la piste olympique de bobsleigh de La Plagne accueille cette semaine une manche de la Coupe d'Europe masculine et féminine, une compétition organisée en prélude à la Coupe du Monde, attendue fin janvier sur cette même piste savoyarde. Alors c'est toute une semaine, donc bien entendu nous avons déjà démarré la semaine dernière avec des entraînements. Et puis cette semaine c'est la semaine des compétitions, donc les qualifications et qui vont se terminer par, en fin de semaine par donc la compétition Coupe d'Europe vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui il y a 44 bobs en compétition, donc c'est un élément très important, c'est un ensemble de nations qui viennent concourir et pour La Plagne bien entendu c'est l'ouverture de la piste à la compétition et à l'image donc pour ce sport. Depuis 4 ans, l'activité de la piste de La Plagne a fait l'objet d'une nouvelle dynamique impulsée par les acteurs locaux, permettant aujourd'hui au site d'être redevenu une référence internationale. Avec l'organisation de 3 Coupes du Monde ces dernières années, l'accueil d'entraînement d'équipes étrangères, le développement de la pratique grand public pour une structure qui emploie aujourd'hui quelque 25 personnes. C'est à la fois, bon, bien entendu, le fait de remettre la piste en ouverture de saison et d'ouvrir la saison avec la piste de bob. C'est pour nous un élément très important également parce qu'il y a un chiffre d'affaires induit avec tous les gens qui sont hébergés sur la station, qui vont consommer. Et puis tout à fait en termes d'image, puisque ça nous positionne à nouveau sur le niveau international pour la communication autour de la piste et de La Plagne. Au niveau sportif, tous les regards français se tournent vers le local de l'étape, le Team Coster étant le seul représentant tricolore en course cette année, avec un projet sportif qui se met en place progressivement et la participation de Bruno Mingeon comme coach officiel, lui qui par ailleurs encadre l'équipe monégasque. Je laisse remonter pour ressortir facilement et ça me laisse à gauche. Ouais, mais si tu veux ça, ça te fait perdre un peu de temps par la chute de pression. On a eu les premières compétitions en Coupe d'Amérique qui ont été positives, notamment une troisième place en bob à 4, ce qui fait un aussi bon résultat que l'année dernière. Donc avec une équipe nouvelle, une équipe jeune, c'est très intéressant pour la suite. On commence un réel projet avec l'équipe de France, grâce aussi à l'accord de Monaco, surtout, il faut le souligner. Donc oui, c'est un beau challenge. Bon, aujourd'hui, on a un petit peu un manque de freineurs. Donc on est dans une partie de la saison délicate avec Loïc aussi qui est blessé. Mais bon, il faut être patient et je pense qu'en deuxième partie de saison, on fera quand même belle chose. Après, on voudra toujours faire mieux que ce qu'on a déjà fait, donc c'est-à-dire mieux que 10 dans les championnats d'Europe, dans le championnat d'Europe, et au moins un top 15, voire top 12 en championnat du monde. On comptait sur cette compétition à La Plagne cette semaine pour se mesurer notamment à tous les Européens. Mais bon, ça ne sera pas encore le cas, donc c'est dur d'annoncer pour l'instant des chiffres. Bateau 5, 93, 25, 93.